suis lycéen et on a décidé de se grouper à cette manif pour être en relation avec nos profs et nous rapprocher de nos professeurs parce que c'était important, parce qu'on a les mêmes combats. Le constat qu'on fait de la première année de Parcoursup en l'occurrence, c'est qu'il y a eu une ségrégation qui s'est mise en place à cause de cet algorithme. En l'occurrence, pas mal de bahuts de banlieue. Dès la première phase, les lycéens de ces banlieues se sont fait jarter. Et donc on considère que c'est du déterminisme social, qu'il y a une ségrégation qui se met en place avec la réforme et on est contre. Il faut rester soudés, profs, élèves, personnel de l'éducation, parce qu'au-delà des lycéens, c'est bien toute l'éducation qui est touchée. On est en train de détruire le service public de l'éducation, comme ça a déjà été le cas avec les cheminots et tous les services publics de manière générale, donc il faut rester soudés. Je suis Christine, enseignante de français dans une grande cité scolaire parisienne. Voilà, et je suis donc gréviste aujourd'hui et totalement furieuse contre la réforme Blanquer, qui est une réforme qui, pour moi, achève l'école de la République auquel je tiens et dont je suis aussi issue. Donc c'est une réforme qui est totalement injuste, inégalitaire et qui n'a qu'un seul but, c'est encore une fois supprimer des postes et récupérer un maximum d'argent. C'est pas une réforme pour laquelle l'élève serait au centre, absolument pas. C'est vraiment une volonté de détruire, vraiment pour moi, l'école de la République et le fait que normalement, partout en France et dans les territoires d'outre-mer, tout élève a accès à la même éducation. Ce qui ne sera plus le cas bientôt. Et ça, je trouve ça vraiment effrayant. Blanquer.